ma pub. Hein, il y a cinq types de contenu. Ma pub, on l'a vu. Ça, c'est facile. Tout le monde a envie de parler de ses services. Tout le monde a envie de parler de ses produits. Fait qu'on partage des publications, on fait sa pub. Le deuxième type de publication, ça va être les astuces. Et là, ça va être le temps de faire une publication où on va former, on va informer notre clientèle, notre communauté. Ne soyez pas avare de vos informations. Donnez vos trucs, vos astuces. Écoute, moi, quelqu'un qui me suit, là, il voit mon info partout. Il voit mes contenus. Il va pouvoir. J'ai 150 vidéos tuto sur YouTube. J'ai 300 articles de blog sur le blog. Je vous donne tous les contenus. Encore aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets. Mais en même temps, moi, j'ai beau suivre tous les blogs de cuisine, lire tout ce que le cuisinier va dire, puis regarder autant de vidéos que je veux, mais encore faire brûler de l'eau. OK? Donc, c'est pas parce que tu donnes tes contenus, que tu partages tes contenus, que ton client n'a plus besoin de toi. La seule différence, c'est que ton client, il va savoir que tu sais de quoi tu parles. Et le jour où est-ce qu'il va être prêt à déléguer, le jour où est-ce qu'il va demander à travailler avec quelqu'un, ben, il ne va pas se poser la question, il va travailler avec toi. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie astuces. On forme, on informe, on donne un maximum, on est dans le gift. C'est ce que je fais à toutes les semaines sur le groupe Facebook. Encore ce matin, je partageais un outil gratuit. C'est ce que je fais à tous les mois sur tous les réseaux sociaux. Donc, donnez de votre contenu, donnez de votre savoir, montrez aux gens ce que vous savez et vous allez voir que votre agenda va se remplir pas mal plus que si vous avez peur de partager. Petite information, ici, le triangle 20%, il est super important. On a cinq contenus, vous me voyez venir, cinq contenus, 100% des contenus. Chaque catégorie devrait représenter 20% de vos contenus. Ça veut dire que si tu as envie de faire cinq pubs dans ton mois, ben, tu vas faire cinq astuces, cinq actus, cinq coulisses, puis cinq lols. OK? Puis tu vas les répartir sur ton mois et tu peux utiliser après ça des outils de publication pour les répartir au fil du mois. D'accord? Mais vraiment utiliser 20% de chacune des catégories. Donc, on continue. La catégorie numéro 3, c'est la catégorie actualité. On se positionne en expert de son domaine en montrant qu'on n'est pas juste le nez viré sur son nombril. OK? Oui, on est intéressé par notre domaine. Oui, on est intéressé par notre entreprise. Oui, on est des passionnés de ce qu'on fait. Mais on peut-tu aussi montrer à notre communauté qu'on est intéressé par ce qui se passe autour? Qu'on est intéressé par ce qui se passe dans le monde? Qu'on est au courant que c'est l'hiver en ce moment? Qu'on est en courant que, ben, il y a une pandémie? Qu'on en parle sur nos réseaux sociaux, de l'actualité? Qu'on parle de l'actualité de notre domaine? Qu'on parle de l'actualité de notre profession? Ou qu'on parle de l'actualité du calendrier, hein, d'accord? Même le comptable peut faire un beau post pour la Saint-Valentin. Même l'avocat peut faire une belle publication quand vient le temps de parler de Noël et de son équipe. Donc, ayez pas peur de parler de l'actualité, du calendrier, de votre domaine. Vous trouvez sur Internet un blog d'un confrère. Okay, celle-là, les clients ont de la misère à le faire, mais c'est tellement important. Vous trouvez sur Internet le blog d'un confrère qui partage une information de qualité. Ben, savez-vous quoi? Partagez-la. Voilà, on va dire, oh, mais ouais, mais il va travailler chez l'autre, il va s'en aller chez un client. Oui, non, non. OK? Non. C'est pas parce que une fois, il va avoir vu un article publié par Jean-Pierre que du coup, il va oublier que toutes les semaines, vous lui partagez du contenu de qualité. OK? Il va juste se rendre compte que vous ne vivez pas dans la peur et que vous êtes avant tout à propos de votre contact. Vous êtes à propos de vos prospects, vous êtes à propos de leur donner de l'information de qualité. Fait que si Jean-Pierre, il a partagé un super blog sur ce que vous faites, ben, partagez-le à votre communauté. Et puis, vous allez voir que ça peut des fois vous amener des partenariats pas mal de fun. OK? Ayez pas peur de partager des articles de blog, des contenus d'actualité, partager des choses qui ne sont pas juste le je me moi, mais qui sont vraiment ouverts sur le monde. Le quatrième niveau de contenu, quatrième catégorie de contenu, quatrième nuance de contenu, dites-le comme vous voulez, on ouvre une fenêtre sur notre entreprise, ses défis et son équipe. Ça, c'est le bout important où est-ce que les gens vont vouloir que tu parles de toi.
vont vouloir que tu partages tes contenus, vont vouloir que tu racontes t'es qui, des photos de ton équipe, des photos de ton bureau, ton dernier défi, ce que tu as partagé, ce que tu as vécu, un témoignage d'un client, un dossier qui a été pas facile puis que tu t'en es sorti. Ouvre un univers, ouvre une petite fenêtre sur ton univers, ouvre une porte sur ton entreprise. Dis-toi que les gens qui ont décidé de te liker, de te suivre, c'est parce qu'ils s'intéressent à qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Fait que sois pas trop protectionniste de ton information, partage, parle avec ta communauté, OK? Ouvre la porte sur ton univers et tu vas voir, des fois, c'est fou, là. Tu partages une photo de ton bureau avec ton équipe qui fait les clowns, puis tu as plus de vues que toutes les gros posts que tu as faites la semaine passée avec du contenu qui t'ont pris des heures à travailler. Fait que ça serait vraiment, tu serais surpris. Et ici, cinquième catégorie, les LOL, les citations, ça, c'est souvent la catégorie que mes entrepreneurs ont bien du mal à partager. Parce qu'ils se prennent tellement au sérieux. OK? Mais si tu te prends tellement au sérieux sur Facebook, tu vas faire un flop sur Facebook. D'accord? Facebook, c'est pas fait pour se prendre au sérieux. À la rigueur, LinkedIn, c'est moins pire. C'est mon Facebook en cravate. C'est un peu moins pire. Mais si tu es sur Facebook puis tu te prends super au sérieux, ça ne marchera pas. Donc, ayez pas peur. Le LOL, c'est le petit moment clin d'œil, le petit moment rigolo. Moi qui vous partage une grenouille en arrière, qui vous partage Balou, le meilleur ami de Froggy, mon chien. Ayez pas peur de mettre un petit peu de LOL, un petit peu de légèreté. Avec la publication LOL, on vend pas, on forme pas, on n'informe pas, on rigole avec sa communauté. Okay? On vient humain avec sa communauté. Le LOL, il nous sert à remettre les pieds sur terre, enlever le nez de son nombril et se prendre moins au sérieux pour créer une symbiose avec sa communauté. Donc, ben, même si on est un avocat, il n'y a rien qui nous empêche de partager une belle image le vendredi, souhaiter une bonne fin de semaine à tout le monde. Et du coup, on vend rien, on n'informe pas, on forme pas, on fait juste être avec sa communauté. Et à ce moment-là, on a beaucoup encore là de réussite à créer du lien. Parce que jour après, où est-ce qu'on va leur demander de partager notre pub, ben, on sera pas juste un lourdeau qui vient leur donner une pub dans le sans rien avoir créé de lien avec eux autres avant. Donc, bien intéressant. On se souvient, cinq catégories, 20% de chaque catégorie. Donc, si tu veux me faire bien des pubs, ben, tu vas faire bien des autres aussi.